Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen? Gut. Aujourd'hui, le jeudi 11 juillet 2070, une mission spatiale du nom de SOS Trou Noir va partir à la rencontre du nouveau peuple qui nous a envoyé ce mystérieux message. Souvenez-vous, l'an dernier, un trou noir est apparu tout proche de la Terre, mais il est apparu avec un message. Il est resté confidentiel, et aujourd'hui, nous avons sur le plateau la pilote et ingénieure de cette fabuleuse mission, Sabrina. Bonjour, merci de m'avoir accueillie. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Venise et je suis française. Quel va être votre rôle dans cette mission ? Je suis la capitaine de ce vaisseau. Pouvez-vous vous présenter ? Alors moi c'est Freddy, certains de mes fans vont me reconnaître, évidemment. J'ai sorti plusieurs albums. Et voilà, je suis Freddy, un rappeur. Pouvez-vous vous présenter ? My name is Dr. Joheva. Mileshke. Egunon ? Egunon. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? En basque ou en... Comme vous voulez. Burdina deitzen naiz, bai, burdina izen aski simplea da, baina ulagarria da eta sentitzen naiz azkar izen horrekin. Eta espero dut ongi segituko duela ala. Ça ne pose pas de problème d'être loin de vos fans, de votre famille, de vos proches ? Bah, il y a le wifi dans le vaisseau. Je pourrais toujours les voir en live. Vous allez tweeter pendant le voyage ? Évidemment. Quel est votre rôle dans cette mission ? Je suis ingénieuse et aussi pilote ou copilote. Enfin, je m'occupe vraiment du vaisseau, c'est-à-dire de réparer les choses, les problèmes qu'il y aura dans le vaisseau, car... Forcément, il y aura des problèmes. Qu'est-ce qu'un robot vient faire dans une mission spatiale ? Il a le boulot, hemen, da laguntza eskaintzea, bereziki babesean, beraz ni izanen naiz lehena zulo beltzean sartzeko, eta izanen naiz inkestaren buruan. Quel était le contenu de ce message ? C'est confidentiel, je peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'un rappeur vient faire sur une mission spatiale ? Écoutez, vous avez entendu comme quoi les rumeurs ce serait la fin du rap, tout ça. Ben moi je suis là pour prouver le contraire. Je vais monter là-haut. Cette expédition, tout le monde va en entendre parler. Et quand on va revenir, tout le monde va entendre parler de mon super single que je vais sortir. Et c'est comme ça que j'ai sauvé le rap. Donc vous partez dans l'espace pour trouver l'inspiration ? Évidemment. How do you feel ? Scared. Why ? Because we're going to the black hole. Hopefully we won't get crushed. Est-ce que vous avez déjà fait des voyages dans l'espace ? Oui, je suis assez expérimenté. J'ai déjà fait deux années dans un vaisseau spatial. Est-ce que... Vous aimez les humains ? Ez ditut biziki ongi ulertzen, baina badakit haiek didatela bizi askaini, arte batez. Uste dut pixkat hil nahi ditudela. Comment avez-vous été recruté lors de cette mission ? J'ai un contact qui m'a permis de trafiquer les tests et tout. Mais vous savez que c'est peut-être un voyage sans retour ? Est-ce que c'était dur pour vous de devenir capitaine de cet équipage ? Ça fait longtemps que je suis dans l'armée déjà. J'ai accompli beaucoup de missions. Donc pour moi, c'est une mission comme une autre, même si celle-ci a beaucoup plus d'importance au niveau international. Mais je suis fière de faire partie de cette mission. Ça fait longtemps que vous avez des problèmes d'amnésie ? Je m'en rappelle plus. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rap ? Merci. Attention. Rappelez-vous de ce moment. Est-ce que vous rappelez comment on soigne des gens ? Oui, bien sûr. Comment on fait ?
je suis un petit peu coincé, hein. Mais je sais toujours chanter. Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Non. Non, justement, depuis que j'avais le rêve d'être astronaute en tête, justement, je me souhaitais d'être célibataire pour pas avoir quelqu'un. Nicht jemanden zu vermissen auf der Erde. Also, deswegen bin ich alleine und bin nicht verheiratet. Est-ce que c'est difficile pour une femme de devenir astronaute? Ouais, ça, c'est quand même assez compliqué car le métier de astronaute, c'est plutôt réservé aux hommes. Mais là, vu que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent astronautes, ça commence à arriver, hein, c'est bien. Rapport numéro 1, le 12 juillet 2070. Nous avons enfin décollé, malgré quelques petits problèmes, nous avons stabilisé la situation et avons réussi à décoller. Nous avançons vers le trou noir. Maintenant la Terre nous manque. Enfin, je suis un peu triste. La suite de la mission m'intéresse. Je pense que nous allons faire des découvertes intéressantes dans ce trou noir. If I die, tell my father that he is... I forgot. Oui, maintenant que nous sommes dans l'espace, je sens déjà l'inspiration me monter. Ça me picote les orteils. D'ailleurs, il est quelle heure? Il va falloir que je commence mon live. Ugh.
c'est là-dessus. M'a l'air tout indiqué. C'est un code très simple. C'est moi ou on entend comme des chuchotements? Un langage. Tu fais quoi, Gégé? En train de décoder le code. Le code nous dit void sans nothing, ça veut dire rien. Il y a 100% rien. Comment ça rien? Il n'y en a pas physique. S'il n'y a rien, comment on aurait pu nous envoyer ce message? Peut-être que c'est pas la bonne solution, peut-être qu'il est en train de nous dire que le morse, c'est pas là où il faut chercher. Je pense qu'on s'est trompé. Peut-être que ça n'a pas de forme physique, mais peut-être que ça a une intelligence. C'est comme la musique, c'est pas physique. Mais ça a un cœur. C'est pas ça pas logique si c'est rien. Y a du alcool. C'était dégueulasse. On est dans le flanc, mais c'est chacun. What? J'ai remarqué une chose à propos de ce code. C'est que ça a l'air un peu comme des notes de musique. Et donc, si on jouait par un instrument de musique, peut-être on trouverait la solution. T'as raison, attends. Essaye. La musique, c'est la clé. Mais là, quelque chose est cassé. Qu'est-ce qu'il s'est cassé? Quoi? Mais comment ça arrive? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est à moi maintenant d'y aller. Ce mec est fou. Oh, entends-moi le truc. Chérie, on filme. Jusqu'ici, j'ai réussi à mettre cet interrupteur, à le placer, mais j'ai encore besoin de beaucoup de temps pour le réparer. Alors, il n'y aura pas encore pour tout de suite la luminosité. C'est rien de grave, ça. En tout cas, ici, vu qu'il n'y a pas de luminosité, c'est difficile de... De voir, ouais. Ouais. Je vais essayer de cacher dedans. J'ai peur. Tout ça, c'est à cause de ce débile. Non. Si, c'est toi qui as fait ça, hein. Non, s'il te plaît, ne me fais pas mal, tu sais, un pacifiste. Eh, hey, c'est ça, si tu te reprends pas, elle va partir, celle-là. Stop. Non. Arrêtez. Oh, maîtrisez la situation, maman. Maîtrisez la situation. Oh. Attends, elle m'a traîné. Qu'est-ce qu'il a vu, ce... Ah. Mon Dieu, je veux pas aller à l'enfer. Je suis mort. Mais non. Jérôme. Arrête-toi, t'es taré. Chut. Il est bourré, c'est tout. Vas-y, maintenant, reste. Où est-ce que t'as vu l'alcool? Bloody hell. C'est pas vraiment good. Tu reconnais ça? C'est ma tasse. T'aurais pas dû toucher. Attends, Wash. J'ai croyé c'était du thé. Mais c'est quoi cette histoire? T'as mis de l'alcool dans le vaisseau? On avait dit non à l'alcool. Ouais, on est d'accord. Ouais. L'alcool interdit dans son vaisseau. D'accord. Je pensais pas qu'il y aurait d'autres gens qui vont continuer. Enfin, c'était juste pour moi. Un vrai capitaine n'a pas à faire ça. Il connaît les règles. C'est pas ça. Je suis désolée. Mais c'est vrai qu'il aurait pas dû le voir. S'il aurait senti, il aurait pas fini en entier. Bon, c'est vrai. Je suis désolée. Donc, je vais essayer présente mes excuses.
Voilà. Ça vous suffit? On a évité juste cet accident. Je pense que c'est mieux ainsi. Attends, si tu mets ça comme ça. Regarde. C'est mon plan de travail. Trouve-toi une autre feuille. Tiens. Et non, plutôt déchiffrer là, le. Mais là, ça, c'est. Attends. Une connerie, ça. Do correspond à Sol à 5 et Du à 7. Tu crois que c'est une partition? C'est des partitions, mais est-ce que les partitions cachent un truc? Ça doit être ça. C'est peut-être pas une formule mathématique. Je crois qu'on a trouvé. Peut-être que tu dois lâcher un rappel. Ça y est, le vaisseau est réparé. On pourra repartir dans quelques instants. Super, Sabrina. Parce qu'on a la réponse. Tant mieux. Il faut réunir l'équipe. Ouais. J'ai trouvé. La formule. C'est pas une formule mathématique. Vous pensiez que c'était la constante de Planck? Et pas du tout. C'est des notes. Des notes? Non, ouais. Des notes. J'en suis venu à un calcul, tout ça. Enfin, un truc de ouf, quoi. Enfin, bref. J'en suis venu à ce résultat. Tout ce que vous avez à savoir, c'est ça. Les coordonnées. Les coordonnées d'un lieu, de l'autre côté du trou noir. T'as dit quoi, là? Les coordonnées d'un lieu, de l'autre côté du trou noir. C'est peut-être ça. Wow. Ça, c'est quoi? J'ai trouvé! 8. J'ai trouvé! Oui, Black Hole! Merci, Black merci. Black. Attends, du coup, on va s'y rendre. Allez, j'ai trouvé un album, il me faut du papier. Vite! Oh, je fais le beatbox! Day 42. I've done some stupid things because of the captain here. Made me drunk. Or drinking the alcohol that I thought it was tea. So I almost got my ass kicked by the rapper. It's scary as hell. Journal de bord, jour 53. T'as dit, le rappeur. La nourriture perd son goût et l'inspiration me vient de moins en moins. Les lives que je fais avec mes fans me permettent de tenir le coup. Ah oui, dédicace au petit zigoto qui a provoqué la panne. Je parle bien du professeur. Ah, oui, alors là, c'est mon journal de bord, ok? Thank you. Jour numéro 100. Bon, ben, Sabrina a augmenté... la capacité de vitesse des moteurs pour qu'on puisse arriver plus vite au trou noir parce qu'on s'est rendu compte vite que c'était très long. Bon, on est maintenant jour 213. Franchement, j'ai l'impression que... J'ai vraiment l'impression de perdre la boule. Je suis en train... Je sais pas, j'ai l'impression de devenir fou un peu. Il n'y a rien à voir à travers les fenêtres que l'espace, c'est tout. C'est complètement déprimant. Franchement, j'ai aussi l'impression d'être dans un rêve, franchement, car c'est tellement irréel de ne plus être sur Terre, d'être dans l'espace, parmi les galaxies, les étoiles, dans un petit espace enfermé avec d'autres personnes. C'est tellement, quelquefois, ça peut être désagréable, car moi, quelquefois, on a des disputes, c'est intense. Et quelquefois, on a aussi des pannes, alors ça, c'est aussi horrible. Jour 367. Le vaisseau n'a plus de problème. Aucun problème détecté. Je suis prêt pour ma mission. On aperçoit tout noir là-bas. C'est maintenant, c'est le moment. On arrive maintenant dans le trou noir. Ça sera fier de nous. Non, non, on va pas mourir, on va pas mourir. Allez. Non. On est déjà arrivé. Oh.
On y est ? Regardez ! Je ne connais pas ce côté. C'est ça l'alien. C'est quoi ce trou? Là-bas. Tac. Tac. Ah oui, il a fait demi-tour, fait quelque chose. Attendez, il s'avance vers nous, mais il sort pas. Je crois qu'il veut pas de mal. Il a pas l'air d'être méchant. Je crois qu'on va garder espoir. Ouais. C'est peut-être qu'il soit sympathique. Oui, peut-être. Qui va faire la sortie? J'y vais. Bourdina, t'es sûr? Oh. Oh. Qui êtes-vous? You. What the? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire un marché? Très bien. La planète qui a le plus de CO2, c'est Vénus. Vénus? Ma, chose à vous dire bien. Cours. Contact effectué. Marché. Planète. Marché. Système défectueux. Quoi? Non, non, quoi? Quoi? Système défectueux. Non, il a peut-être plus batterie. Fini, attends. Enregistrement, vous. Attends, vous quoi? Récupérez. Où ça? Enregistrement, vous. Wow. J'espère qu'il va bien. Docteur! Je vois! T'es capable de le réparer, moi je suis pas capable, c'est une intelligence artificielle! Mais soigne-le, t'es médecin! Je ne sais pas comment. Récupère-moi. En fait, j'ai une idée. Enregistrer son mémoire. Alors, tu l'as sauvé? Non, je l'ai juste enregistré son mémoire. Attends, c'est une blague. Attends, son mémoire. Mais je ne sais pas comment soigner un robot. La connerie est humaine, mais toi, t'es un surhomme. Bon, bref. En rentrant sur Terre, je pense que c'est mieux. Je crois qu'il est mort. On va le laisser là. Débarrassons-nous du corps. On le met hors du vaisseau.